Bonnie, notre professeur, nous a amené à se rassembler, à collaborer avec Maison Emmanuel, l'organisme de Val-David, puis à explorer un univers de poules. On a choisi le thème « la poule ». Puis pour la gang de Maison Emmanuel, la poule, c'est super important. Ils ont leur propre façon de travailler, puis à un moment donné, ils ont été vraiment passionnés par les poulets. On voulait créer comme un monde où comme le poulet est égal aux humains. On a l'impression que les poulets sont un peu inférieurs aux humains, alors on voulait un peu mettre les poulets en... comme être supérieur et de se demander qu'est-ce que ce serait d'avoir des rôles inversés. C'est un peu ça la question qu'on se posait avec cette exposition. Nous sommes les poules. C'est ça le cake. Birds were made to fly away. C'est pas nécessairement quelque chose de... qu'on respecte, je pense, les poules. C'est, on avait comme de la bouffe, pas plus. Et on voulait créer comme une atmosphère, comme un monde à part. Comme Val-David, c'est un monde à part. En faisant l'exposition, on invite les personnes à venir visiter un monde parallèle parce que les poules sont traitées d'une façon égale aux humains. On n'avait jamais fait d'installation aussi grande. I'm doing the chicken walk. Oh, I said hi, bye bye. On a pensé poule pendant 6 mois. C'était comme c'est un atelier de poules. Il y a aussi un grand esprit de collaboration et aussi collectivité et communauté. Nous avons pris l'inspiration du villageois et de l'atelier céramique où ils font tout leur travail en collaboration. Le projet de la grosse poule, c'est une idée de nous deux à la base, mais au final, on n'a pas été tous les deux à le faire. On a été tout le monde, tous les gens de l'exposition, mais aussi d'autres gens de l'université. Il y a des céramistes, il y a des gens en gravure, il y a des gens en sculpture, il y a des gens qui font de la céramique, et ça a été une collaboration absolument extraordinaire. On cherche pas la perfection, on cherche la cœur. C'est assez facile, je pense, en tant qu'artiste, de tomber dans l'ego et dans son travail à soi et juste soi. Et là, on trouve juste un peu plus d'humanité. Et je pense qu'on en a tous besoin en ce moment.